Hey yo tout le monde, c'est Darka, comment allez-vous? Écoutez, moi ça super aujourd'hui. On se retrouve sur l'Obscur Clan pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous fera plaisir pour parler d'un tweet qui a été posté concernant la bêta. Donc déjà c'est officiel, il y aura une bêta sur Infinite Warfare. Il y aura sûrement une vidéo qui va traiter de ça très prochainement, donc c'est à voir. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre tweet concernant encore une fois la bêta. Et ce tweet est composé où il y a possibilité d'avoir la bêta, de s'inscrire et d'avoir une bêta. Donc ça m'a semblé tout de même étrange. Je vais vous montrer plusieurs tweets. Donc voilà, je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo. Donc on peut voir que le tweet est composé d'un site. Donc j'ai cliqué sur le site étant curieux et je suis arrivé sur un site vraiment très ressemblant au design de Infinite Warfare. Donc pourquoi pas, aurait pu être le site Infinite Warfare mobile. Tout le monde peut croire que c'est le site Infinite Warfare alors que non. Donc ensuite, une fois que vous appuyez sur Join Beta, ils vont demander de confirmer votre âge. Donc il faut avoir plus de 18 ans, donc vous allez tricher et vous allez faire plus de 18 ans. Et c'est là que vous pouvez remarquer que c'est une arnaque, ne cliquez surtout pas. Vous pourrez arriver sur une autre page, vous serez redirigé vers ce site où il vous demande de télécharger une des trois applications pour ensuite débloquer la sécurité, ensuite avoir votre code de bêta. Et ensuite vous allez télécharger donc une des trois applications, sauf que ces applications sont payantes. Donc certaines personnes vont sûrement se dire ouais mais bon, on va quand même avoir la bêta, c'est pas grave, il nous suffit juste de payer l'application. Et une application sur Play Store ça dépasse jamais les 5€, donc c'est le prix d'une bêta quoi, ça vaut le coup. Sauf que non, vous allez acheter l'application, donc déjà ça vaut 5€. Et après il suffit juste que l'application a accès à vos données forfait etc. Ils pourront faire payer l'application au prix qu'ils le souhaitent, c'est à dire par exemple ils peuvent vous faire payer une fois tous les jours, c'est à dire 5€ tous les jours. Bref, c'est une grosse douille. Donc vous allez dire ouais c'est un guicheur etc, mais le truc, le délire, c'est que si vous aurez pas vu cette vidéo, peut-être que vous aurez vu le tweet, peut-être que vous aurez cliqué, peut-être que vous aurez télécharger l'application et là vous vous serez fait douiller. Donc c'est juste une vidéo information pour vous, pour votre sécurité. Donc faites très attention à ça. Il y a aussi des arnaques comme ça pour les code points. Faites vraiment très attention à vous, excusez-moi. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. Moi je vous dis peace les gens, c'était Darka. Bye. Put you on hold. Sorry, but I gotta put you on hold.